Ruth, je suis vraiment content qu'on puisse passer ce moment ensemble. Je sens qu'on a beaucoup en commun, surtout notre foi chrétienne. Oui, moi aussi, Eric. C'est vraiment important pour moi de partager ma foi avec quelqu'un. Mais j'ai remarqué que tu as aussi beaucoup de respect pour les cultures ancestrales, et que tu adores les ancêtres. Peux-tu m'en parler un peu plus? Bien sûr. Pour moi, honorer mes ancêtres fait partie de mon identité. C'est une tradition dans ma famille, depuis des générations. Je crois que cela ne contredit pas ma foi chrétienne, mais qu'au contraire, cela l'enrichit. Je comprends ton point de vue, Marc. Mais pour moi, la Bible est très claire sur le fait que notre adoration doit être réservée à Dieu seul. En Exode 20 versets 3 à 5, il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Je crains que nos croyances soient trop différentes. Je comprends ton inquiétude, Ruth. Mais je pense que nous pouvons trouver un équilibre entre nos traditions et notre foi. Après tout, ce sont les valeurs familiales et culturelles qui nous ont forgés. C'est vrai, mais je sens profondément que ces différences risquent de créer des conflits dans notre relation. Je pense que nous ne sommes pas compatibles sur ce point essentiel de notre foi. C'est dommage. Je respecte ta décision, Ruth. Que comptes-tu faire? Je vais en parler à mon ami pasteur Eric. Il a toujours su me donner des conseils avisés. Merci pour ta compréhension, Marc. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Moi aussi, je te souhaite le meilleur. Merci. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais encore tomber sur ces genres d'hommes? Je ne pouvais jamais imaginer qu'il était encore attaché à ce point à la religion de ses ancêtres. J'espère bien que mon ami Marc m'aidera à trouver un bon partenaire de vie pour toujours. Car j'en ai marre de tomber à chaque fois sur la mauvaise personne. J'ai besoin de rencontrer un homme qui partage mes valeurs et ma foi chrétienne. Aide-moi, Seigneur, à trouver un homme comme cela. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Comme je te le disais, frère Marc, je voudrais absolument que tu m'enseignes aujourd'hui sur comment trouver un bon partenaire de vie. Car je suis fatiguée d'errer toute seule sur la terre. Je commence vraiment à me lasser du célibat. À chaque rencontre avec un homme, je découvre qu'il ne me correspond jamais. D'accord, j'ai compris ton message, Ruth. Tu sais, la quête d'un partenaire de vie doit avant tout être centrée sur Dieu. Dans Proverbes 3 versets 5 à 6, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous rappelle que si nous mettons Dieu au centre de notre recherche, il nous guidera vers la personne qui nous convient. D'accord, Marc. Je pense que c'est l'erreur que je faisais. Car très souvent, je ne consultais pas Dieu avant d'entamer mes relations avec les hommes. C'est une grande erreur, Ruth. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, que ce verset prendra un sens dans ta vie. Bien sûr, Marc. Je me laisserai dorénavant guider par mon Créateur. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. Tu sais, j'aimerais tellement te raconter l'histoire de Rebecca et d'Isaac. Une belle histoire d'amour dans la Bible. Oh, j'aimerais trop, Marc. D'accord. Tu sais, dans Genèse 24, Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Le serviteur prie Dieu pour qu'il lui montre la bonne personne, et Rebecca apparaît, répondant parfaitement à la prière du serviteur. Waouh! Quel mystère! Si je pouvais aussi rencontrer mon prince charmant comme cela, ça me ferait tellement plaisir. Tu sais, Ruth, rien n'est impossible à Dieu. Dans Genèse 24 versets 12 à 14, le serviteur dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Waouh, que Dieu soit loué. Je ne savais pas que Dieu pouvait faire des merveilles comme cela. Et oui, bien sûr, tout est une question de prière et de foi. Le Seigneur nous recommande d'avoir une foi ferme, et de ne point douter. En agissant ainsi, il accomplira toujours ses promesses dans notre vie. C'est vrai, Marc. Tu as complètement raison. S'il l'a fait à Isaac, il peut le faire aussi pour moi. C'est exactement ça, Ruth. Tu sais, je souhaiterais te parler aussi de l'amour véritable et la patience. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 nous décrit ce qu'est le véritable amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Waouh, quel amour! Je suis vraiment comblé de ce partage. Gloire à Dieu, Ruth. Nous devons rechercher un amour qui reflète ses qualités. Cela implique la patience et le fait de ne pas se précipiter dans une relation simplement pour combler un vide. C'est exactement ce que je constate. Je ne me précipiterai plus pour me mettre en relation avec un homme. Alléluia, que Dieu soit loué pour cela. Tu sais, j'aimerais aussi partager avec toi l'histoire de Ruth et de Baz. Oh super, j'aimerais trop. D'accord. C'est une autre illustration d'un amour béni par Dieu. Ruth, veuve et étrangère, décide de suivre sa belle-mère Noémie et de servir le Dieu d'Israël. Par sa fidélité et son travail acharné, elle rencontre Boaz, un homme intègre et bienveillant. Gloire à Dieu pour cela. Je remarque que notre Dieu est immensément grand et rempli de bonté. C'est exactement ça. Tu sais, Ruth 2 verset 12 nous dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Leur histoire nous montre que la fidélité à Dieu, et aux autres, peut ouvrir des portes inattendues, vers des relations bénies. Super, je suis vraiment béni par cette histoire. Gloire à Dieu pour cela. Tu sais, j'aimerais aussi partager avec toi un autre point sur la prière, et le discernement. Enfin, il est essentiel de prier pour avoir du discernement dans nos relations. Jacques 1 verset 5 nous encourage à demander à Dieu la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. D'accord Marc, je demanderai le discernement et la sagesse à Dieu, afin de ne plus me tromper dans les choix du futur. D'accord, Ruth. Avec les histoires bibliques que je viens de partager avec toi, je pense sincèrement que si tu mets ces conseils en pratique, tu réussiras certainement à trouver un homme. Je le crois aussi vraiment, frère Marc. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour tous ces conseils. Bon, je ne vais plus tarder à partir. Allez, on se dit à la prochaine? Oui, à la prochaine. Thomas, je veux profiter de ce moment pour te dire combien je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je bénis vraiment le jour où que tu es venu me parler et me dépanner pour mon panne d'essence que j'avais avec ma voiture. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé pour le mieux. Je suis sûre maintenant que tu es mon partenaire de vie, celui que Dieu a choisi pour moi. Ruth, tu ne peux pas savoir à quel point tes mots me touchent. Je ressens la même chose pour toi. Tu es un véritable cadeau dans ma vie. Tu sais, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « L'amour véritable est comme un trésor enfoui, précieux et rare, et une fois découvert, il doit être chéri et protégé. » C'est exactement ce que je ressens pour toi. Tu es ce trésor rare que j'ai eu la chance de découvrir. C'est magnifique, Ruth. Je me sens tellement honoré et béni d'être avec toi. Ton amour me rend chaque jour meilleur. Merci, Thomas. Un autre proverbe dit « L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Avec toi, je me sens prête à affronter l'avenir, main dans la main, en regardant dans la même direction. C'est exactement ce que je veux aussi, Élise. Construire un avenir ensemble,
en nous soutenant mutuellement dans tous les aspects de notre vie. D'accord, ça marche. Et enfin, il y a ce proverbe très puissant, l'amour véritable ne connaît ni distance, ni obstacle, car il est éternel et immuable. Peu importe les défis que nous pourrions rencontrer, je sais que notre amour restera fort, et inébranlable. Ruth, tes paroles sont tellement inspirantes. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Je promets de chérir et de protéger notre amour chaque jour de ma vie. Merci, Thomas. Je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui et pour toujours. Tu es mon âme sœur, mon partenaire de vie, et je t'aime plus que tout. Je t'aime aussi, Ruth, plus que tu ne peux l'imaginer. Ensemble, avec l'aide de Dieu, nous pouvons tout surmonter et vivre un amour véritable et éternel. Chers frères et sœurs en Christ, en cherchant un partenaire de vie, que nous soyons guidés par la prière, la patience, la fidélité et l'amour véritable. Mettons notre confiance en Dieu, car il sait ce qui est le meilleur pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête de l'amour véritable. Amen.